Son père était postier et sa mère était tricoteuse professionnelle. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Très rapidement, son père s'est fait muter à Paris. Toute la famille déménagea en région parisienne. Jean Gavin revient régulièrement dans l'Aveyron pour voir sa famille. Dans une ville très colorée. Jean Gavin rêve de devenir pilote de ligne. Mais c'est impossible car il y a la guerre et très peu de personnes partent en voyage. Dans les années 50, il connut la gloire, il tourna dans de nombreux films connus comme La rivière des trois gens en 1956 au Vietnam. Sur le tournage, il rencontra Dominique Wins, sa future épouse. Ils tournèrent ensemble Les aventuriers du Mekong en 1957. Ils se marièrent en 1977 à Paris. Et puis son épouse arrêta de tourner des films et se reconvertit dans l'art. Dans les années 70, il devient acteur de série. Il joue notamment dans une série télévisée très connue, Morin des Morts. Elle met en scène un braconnier pourchassé par les gendarmes. Il tourna aussi dans Les 5 dernières minutes.
1996 dans les Bidochons. À la fin de sa vie, il arrête sa carrière et prend une retraite bien méritée. Il s'occupe activement avec de nombreuses activités, la pêche, le bricolage, la lecture et il fait du sport. L'interprète principal du feuilleton Morin des Morts est mort en 2014 à l'âge de 96 ans.